sa grande. Je savais pas que t'allais être aussi prêt. T'es prêt? Je vais reculer en même temps. Allez, salut les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, comme on a pu vous le dire dans la vidéo précédente sur le Monster Truck. Avant ça, je voudrais juste vous dire que du coup, on fête les 1 an de notre franchise en Suisse. Donc ça y est, 1 an que notre ami Romain a ouvert AF Custom Suisse. Donc ça cartonne, merci encore à vous pour vos abonnements. Continuez à liker la page Instagram, Facebook, on va le mettre dans le descriptif. Et du coup d'ailleurs on cherche aussi d'autres candidats pour d'autres franchises à l'étranger. Bien sûr à l'étranger, je l'ai bien dit, car on reçoit beaucoup de candidatures pour ouvrir des franchises en France. Mais on se garde le marché en France les amis, voilà, pour la customisation d'armes à feu, etc. Donc voilà, petit aparté fini, voilà, on passe à autre chose. Le Monster Truck les amis, comme vous avez pu voir dans la vidéo, effectivement ça y est, j'ai fait un achat inutile. Et oui, effectivement inutile, mais on va faire, voilà, j'ai vendu mon Ford pour pouvoir acheter le Monster Truck. Mais du coup, je vais en faire mon engin publicitaire. Donc c'est un projet qui va pas être que pour moi. Ça va être un projet qu'on va faire tous ensemble. Donc le but de tout ça, voilà, c'est un peu délirant, mais qui a déjà travaillé sur un Monster Truck, hein, voilà, moi je peux dire effectivement j'ai fait le Monster Truck de notre ami Lucien. C'est un peu à cause de ces conneries que j'ai acheté ce truc là, voilà. Du coup là je voudrais faire participer, bah, si je sais pas, si demain si vous me dites que voilà tu travailles dans les pare-buffs par exemple, et ben on a besoin d'un vrai pare-buff qui va jusqu'en bas du châssis, voilà, sur mesure. On a besoin d'un arceau parce que je veux faire un arceau un peu comme le Ford qu'on avait fait à l'époque. Tiens, viens voir, je vais te montrer. Tu vois, on avait fait un arceau avec notre ami Hypnose. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de lui casser les couilles avec mes merdiers. Donc si c'est votre spécialité, parce que notre ami Hypnose, il fait des tables basses, il fait plein de choses formidables, mais du coup, je veux pas l'emmerder avec ça. Donc si vous êtes spécialisé dans les arceaux, et je veux un arceau de haut en bas là, qui va jusque dedans, pour pouvoir mettre une tourelle avec des 12-7 dessus. Ça, c'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça devient ça. Donc voilà, c'est pareil, totalement inutile, mais forcément complètement indispensable. Donc si vous travaillez là-dedans, eh ben, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, tout simplement. Vous faites un petit mail, on met le mail dans le descriptif. Donc on a besoin de ça, on a besoin de vrais marchepieds, pareil. Hein, si on fait un truc, il faut des marchepieds bien costauds, tu vois, pour qu'on puisse bien monter dessus. Parce que ceux-là, ils sont un peu, tu vois, c'est un peu de la daube. Donc après, nous, on va s'occuper de la peinture, de la carrosserie. Si vous êtes sellier, vous voulez être mis en avant, bah c'est pareil, voilà, on travaille avec pas mal de monde. Donc là l'intérêt c'est, vous venez, voilà, vous prenez les cotes, machin, on vous filme soit à l'atelier, s'il y a des trucs à filmer à l'atelier, on met votre société en avant, voilà, le but c'est que ça fasse un projet global tous ensemble, voilà, c'est pas que mon projet, ça va être votre projet aussi les amis. Vous pourrez dire que vous avez travaillé avec nous sur un projet de Monster Truck, voilà, et l'engin publicitaire sera ici. Donc les amis, si vous avez même des idées, pour le bordel, hein. Là le but c'est de faire un engin un peu tactique, de démolition, tu vois, un peu d'avant-guerre, quoi. On va faire un truc, tu dis que ça part en guerre civile, tu pars avec ça, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc lâchez vos commentaires, lâchez vos idées les amis, et si vous êtes intéressé par le projet, faites-nous un petit mail, voilà. Donc on fait une petite présentation. Allez c'est bien, parti. On va te montrer. Donc moteur 6 cylindres diesel, 6 cylindres diesel mon copain. Donc c'est un moteur Renault. Donc pareil, hein, si vous êtes spécialisé là-dedans, que vous avez des pièces là-dessus, je ne sais même pas quel moteur exactement c'est. Donc parce que ça a été fait avec des pièces d'un truc, des pièces de l'autre. Donc comme tu peux voir, le châssis il a été coupé d'un port d'un côté et de l'autre là pour faire passer ça c'est la, ça tu sais quoi, ça c'est la direction, voilà, direction assistée, hein, t'as vu, tu peux voir avec les flexibles, voilà. Donc pareil, les flexibles ils sont un peu mangés à droite à gauche, donc si tu travailles dans le flexible, bah voilà, tu peux venir faire les flexibles, on sera bien content. Là on a, tu vois, on a les couteaux, les courroies là, toutes les petites courroies là, tu vois, celles-là elles sont un petit peu détendues là, c'est la courroie de direction assistée. Donc pareil, hein, je sais pas s'il faut changer, je pense qu'il faut mettre un petit kit d'admission, voilà, tout le merdier. On cherche un mec qui fait des échappements aussi. Parce que l'échappement c'est un collecteur en fonte il me semble. Donc il est coupé net en dessous là. Et du coup moi je veux que forcément il remonte et qu'on fasse un petit clin d'œil à notre ami de la boiserie, qu'on fasse une cheminée avec un clapet là, blablabla. Parce que quand il démarre, c'est pas un bruit de malade. D'ailleurs je vais le démarrer.
Faut avoir confiance hein, quand même. Hein. L'amour du risque. Ah, il n'y a pas d'intérieur. Si t'as des pièces aussi, des pièces de F-150. Parce que c'est un des années 80 ou 75, j'en sais rien. Tu vois, regarde, il me faut un intérieur parce qu'il n'y a plus le truc de lave-vite. Il n'y a plus de quoi ouvrir la porte là. Tu vois, il est un peu mangé le machin. Hop. Donc il me faut ça, il me faut des feux, des phares. Pareil, je me fous une rampe de LED dessus là, avec des phares partout. Là, si tu fais ça là, bah pareil, tu nous envoies un petit mail. Écoute pas ça. Bon, t'as vu? Plus de Neyman. Il est volant. Non, il est pas volant. Il est honnête. T'es prêt? Ah, il a calon. Ah, ça, t'as vu, il fume pas. On a la vignette verte, je préfère le dire. Notre ami Hidalgo. Ah, si j'accélère pas. T'as vu, on ralentit. Tu vois bien le clapet là. Plap, 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 plap. Donc il nous faut une cheminée là. Il nous faut une cheminée. Arrière pour l'éteindre. T'as vu mon copain, un petit domino et puis voilà. Pour faire l'intérieur parce que la céleri elle est mangée. Bon, si tu t'y connais, pareil en mécanique, tu vois, comme tu peux voir, il fuit un petit peu. Bon, très peu, hein. Franchement, il n'y a que dalle. Ça fuit, mais je sais pas d'où. Donc ça serait bien si tu puisses venir regarder et puis nous trouver les petites fuites. Ça se trouve, c'est trois fois rien, ça se trouve, le moteur est mort. Donc voilà, avant que j'aille sur l'autoroute, ça serait bien de savoir. Tiens, regarde, viens voir aussi. Regarde, le carter là, tu vois, il a pris la forme. Bon, ça, on peut dire que c'est voulu. C'est au cas où quand tu fais les sauts, tu vois. C'est le pont, en fait, qui a tapé dans le carter. Donc, bon, je pense que ça risque rien, mais s'il y a un professionnel qui s'y connaît, eh ben, fais-nous signe. Pareil pour les freins. Les freins, viens voir. Les freins, tu as vu, c'est ça, là. Bah, comme celui de la boiserie. Comme celui de Lucien. Donc pareil, ça freine que dalle. Donc pareil les gars, si vous avez un étrier comme lui il va faire là sur le sien, un étrier de RS6 ou je sais pas quoi, bah pareil, c'est bienvenu les gars, on va y mettre des vrais freins. Ouais. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas, les mauvaises odeurs vont venir. Voici Herbal, un petit jardin tout rond. Ouvrez sa grille et en permanence, Herbal chassera les mauvaises odeurs. Herbal, désodorisant permanent. Toi aussi, tu veux avoir un petit swag de poulet? Eh ben, il te faut juste que tu achètes un petit sweat Fokker. Voilà, ils sont disponibles sur le site avec tout un tas de goodies. Il y a les t-shirts, les tours de cou, les mugs, etc. Tu peux aller voir dans le descriptif. Hey. Bon, après cette petite pause publicité, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Au-delà de la céleri, parce que tu vois, elle est un peu mangée là. On se pose la question, est-ce que je vais pas, tu vois, est-ce que je vais pas mettre deux baquets? Donc pareil, si vous avez des idées les amis, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si tu travailles dans les baquets, dans les sièges ou je sais pas quoi, si tu te dis bah je préfère à la limite te faire un petit siège sympathique en capiton ou alors un truc tactique, tu vois, on peut faire un truc. De toute façon, tout le tableau de bord il fonctionne pas, ça serait cool qu'on puisse pareil foutre des deux écrans, tu vois, un écran pour une caméra de devant, tu vois, au cas où, pour pas rouler sur les grands-mères. Puis un écran de derrière pour pas rouler sur la voiture de Flanders. Donc pareil, est-ce qu'on fout un truc capitonné ou est-ce qu'on fout un truc avec de la paracorde, j'en sais rien, des supports de chargeur AR15, tu vois. Faut faire un truc entre le classe et le truc un peu armé, quoi. Voilà, pareil, le volant, bon, c'est un peu léger, quoi. Boîte de vitesse, tu vois, M Performance. C'est un L, je sais pas si tu vois bien correctement. Tu veux que je monte vite fait là, tu vois bien? Vas-y, attends, je le porte. Hop, voilà. Tu vois le levier de vitesse? C'est une barre. Donc c'est pas super qualitatif, mais bon là, si on arrive à trouver une solution, tu vois, un mécano, soudeur, j'en sais rien. Voilà, bon là, vous avez compris le but les gars. Je vous quémande rien, je propose. Si ça intéresse quelqu'un, ben donnez vos idées, si vous voulez participer au projet. Si vous n'avez pas envie, on s'en bat les couilles. De toute façon, on le fera au fur et à mesure. Hein. C'est pas très grave. Mais du coup, le but, c'est que ça fasse un truc. On fera un épisode par activité, par truc. J'en sais rien. Voilà. Je balance mes idées comme ça. Je réfléchis à voix haute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bah après, pourquoi pas mettre une sono. Mais je pense que ça sert à rien. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. De toute façon, il faut que ça fasse du bruit, de la mécanique, quoi. Ok? Allez. Bon, du coup,
Bon, avant de faire la petite BM de Lucien, on a un petit peu de boulot quand même avant. Donc, on a encore rentré un petit Jeep. Bon, il est pas très beau celui-là. Mais du coup, vous verrez dans la future vidéo, on va faire un délire un peu Jeep Willys. C'est nos amis Indian Car encore. Ça va être un projet qui va être en vente, si je dis pas de conneries. Mais voilà, il y a un petit peu de carrosserie, un peu de boulot, mais du coup Jeep Willys avec les marquages Mili, mais en Raptor. Voilà, donc il y a plein de trucs qui vont venir à la suite. D'ailleurs, on a reçu une palette de Sono Clipch, bien sûr, nos partenaires. Bon, je vais pas vous en dire plus, mais ça sera encore l'objet d'une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, mon ami, et tu mets un petit pouce bleu si t'as bien aimé la vidéo. Mets un petit commentaire, même si tu trouves que c'est de la merde. L'intérêt, c'est que tu commentes. Et puis, oubliez pas de vous abonner, c'est important parce qu'on a fait 150 000, un peu plus de 150 000 vues sur la dernière vidéo et on a que 38 000 abonnés. Donc, c'est déjà très bien, mais ça veut dire que soit t'as regardé la vidéo 20 fois, soit t'as pas été abonné, mec. Voilà, donc oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Pop, 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 les gars. Et en fait, les gars, les amis, par rapport à la dernière vidéo, la BX. On a eu énormément de critiques. Bon, c'est très bien parce que ça nous fait monter le référencement YouTube, les gars. Donc, continuez à commenter, à les cracher, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais les gars, calmez-vous, ça reste qu'une BX. Hein. C'est pas comme si on aurait fait la Testarossa. Ceci dit, je l'aurais bien fait quand même. Mais bon, on se serait fait effectivement insulter. Mais ça reste une BX, même si c'est sentimental pour notre ami Lucien. On l'a laissé quand même grise. Hein. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas compris, les jantes roses. Bah, c'est une blague quand même, hein. Si vous regardez l'épisode qu'on a fait avant, vous pourrez voir que c'est une petite mise en scène faite par notre ami 16, donc c'est pas les enjoliveurs d'origine. Et puis ça, je pense que vous avez dû le voir après, si vous suivez notre ami Lucien, voilà, de la boiserie. Donc, mais bon, voilà, ça reste une BX, c'est juste ce que je voulais vous dire, parce que là, par rapport à par exemple la BM qu'on va lui faire, bon, je vous en dis pas plus, mais vous verrez, là, on va peut-être critiquer, les gars. Voilà. Allez, je vous fais un bisou, ciao.